عسلامة ومرحبا بكم مشاهدي قناة سوس تي في مرة أخرى وحلقة جديدة من برنامج جمعية بلادي. اليوم جينا في استضافة المدام مريم، هي رئيسة جمعية أسوسياسيون تونيزيان دو فيتيليغو بالعربية جمعية علاج داء البهاق اللي معروف أنتر جيمي يعني داء البرس. حبينا نعرفوا علاش تكونت الجمعية ذي وشنية الاكتيفيتي متاحة. عسلامة مدام مريم. عسلامة. اليوم جينا بحذاك مشكورين على الاستضافة متاعك. الحقيقة الجمعية ذي قاعدة تخدم في خدمة ما شاء الله، هي أول جمعية في المونداراب. شنو تنجم تحكينا عليها؟ Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ahna Jamaïa Tunisie El Bouhaq, c'est le vitiligo. On est, notre association, c'est une association à but non lucratif. Notre objectif, c'est une badlou nadra envers le vitiligo. Comment on va faire? Tout d'abord, on va informer la population tunisienne. Chnoua, le vitiligo. Le vitiligo, c'est une dépigmentation de la peau. C'est des taches blanches qui apparaissent. Ce n'est pas contagieux. Ils ont un fahmou, il y a un mouchmadi. Ce n'est pas seul 30% de la population mondiale qui est héréditaire et 70%, on ne sait pas d'où ça vient. Ça peut venir d'un traumatisme, d'un choc, d'un stress. Et différents facteurs. Et ce qu'il faut savoir, nous, pourquoi on existe, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement définitif contre le vitiligo. Donc, à partir de ce moment-là, on a besoin d'être informé qu'est-ce que le vitiligo, où en est-on par rapport à la recherche. Et tout ce que nous, en tant que Jamaïa Tunisia, qu'est-ce qu'on offre le Tunis? Qu'est-ce qu'on offre? Eh bien, on offre tout d'abord sur le site internet www.atvitiligo.org, le site est gratuit. On a des informations qui sont fiables, qui sont approuvées par l'Association française du vitiligo, par le CHU Bordeaux qui a un pôle vitiligo et qui me transmet toutes leurs informations. Et par le comité scientifique de Jamaïa Tunisia El Bouhaq, qui est Dr Denghezli et Dr Yasmine Belhassan, psychologue clinicienne. Et Dr Denghezli, c'est un dermatologue à CHU Farhat Hachette. Donc, toutes les informations que vous avez sur ce site, ils sont fiables. Vous pouvez être sûr et certain. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on informe par tout ce qui est nouveauté. On est présent à l'échelle internationale. On fait partie de l'Alliance de dermatologie, mondiale de dermatologie. On a une conférence bientôt, le 2-3 décembre à Rome, là où il va y avoir tous les chercheurs mondiaux, tous les laboratoires de recherche, tous les dermatologues spécialistes du vitiligo et toutes les associations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les associations du vitiligo, elles prennent de l'importance. Elles prennent de l'importance de jour en jour. Et c'est quelque chose, Matanesco doit être sensibilisé à ça. Donc il faut qu'on soit tous réunis. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire une alliance mondiale et dont la Tunisie fait partie entièrement. Donc, suite à cette conférence, il y aura toutes les nouveautés sur le site. Toutes les informations qu'on a pu récolter ces deux jours à Rome, elles seront sur le site. Aussi, j'irai 2 à 3 fois par an en France, au sein de l'association française, pour des réunions en interne et pour des conférences nationales en France. Je ramènerai toutes les informations disponibles. Ils seront sur le site de l'association. Nous avons aussi... Il faut vous inscrire à la newsletter. La newsletter, vous recevez deux journaux comme celui-ci par an, où il y aura des informations sur tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a fait durant l'année et tout ce qu'on va faire. Donc là, celui-ci, c'était celui de juillet. Et là, il va y avoir un autre en janvier, où il va y avoir tout ce qu'on a fait cette année, pas l'an dernier. Cette année, tout ce qu'on a fait avec les différentes conférences à l'international, notre présence en tant que Twensa à l'international, parce qu'ils nous prennent très au sérieux et qu'on est bien entouré. L'association, ce qu'il faut savoir, c'est que l'association française, vraiment, elle est parrain, elle nous épaule bigdé. Donc, il y a une deuxième chose. Une troisième chose, on a une permanence téléphonique tous les mardis matins. Mais sachant que je vis en France, donc je vais vous laisser un numéro sur le site de l'association, Tabarthouli, un formulaire de contact, et on vous répond maximum 3 semaines après. On répond toujours. Et aussi par email, toujours. Ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, on a des ateliers. On a des ateliers de parole avec notre psychologue bénévole Yasmine Belhassan à la Marsa. Elle vient de Tunis pour faire ses ateliers.
Sachez que ces ateliers sont très importants pour les personnes atteintes et leur entourage. Ce qu'il faut savoir avec le vitiligo, c'est pas que la personne atteinte. L'entourage, il est très très important. Donc, ça c'est un quatrième point. Et on a aussi des ateliers de maquillage correcteur. On a discuté avec pas mal de fournisseurs et on a réussi à avoir Covermark qui nous offre tout gratuitement et qui sont des produits dermatologiques, waterproof et SPF, protection anti-solaire. C'est vraiment tous ces produits-là, ils sont là. On nous a appris la technique pour aider les personnes atteintes à camoufler le vitiligo. En fait, qui j'ai ou le nez, on fait un travail vraiment psychologique. Qui j'ai ou le nez, c'est dur de venir. Le fait qu'ils viennent déjà, c'est excellent. C'est un petit combat. Parce que qui j'ai ou le nez, ils jouent avec plein d'idées dans la tête. Ou ahna nfahmouhom, chnoua ahna. Qui j'ai ou le nez, ils vont se sentir moins seuls. Ce qui est très très important. Ils vont pas se sentir jugés. Khatana enab joudi, j'ai le vitiligo depuis l'âge de 9 ans. Donc moi, je l'ai très bien vécu. Donc, idakin ena najm naish bi heureuse, quelqu'un d'autre peut le faire. Et on met tous les moyens pour que cette personne soit épanouie. Nous, vraiment, notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et de leur entourage. Et qui j'y ou l'année, alors on leur conseille toujours de venir accompagner. L'entourage, c'est très important. Quand ils viennent, on leur donne un questionnaire avec des petites informations qui vont nous construire, qui vont nous aider, nous, sur la construction et améliorer toujours nos ateliers. Et ensuite, on leur dit « Tawa yizemna tqolana enti jtahas » par rapport au vitiligo. Ou l'entourage mtiak hiya jtahas zeda. Les gens commencent à discuter, ils se sentent à l'aise. Donc il y a un vrai réel partage parce qu'ils ne sont pas les seuls. Et il faut toujours, je dis que pour fonder une association comme celle-ci, si je n'avais pas le vitiligo, je n'aurais pas su. Khatr, je l'ai. Donc j'ai le vécu. Donc je peux informer et transmettre et aussi notre propre expérience. On la met à leur disposition. Mais je vous dis que si elle y arrive, nous aussi on va y arriver. Madame, je vous remercie de vous dire que vous avez. Alors, c'est par rapport à l'État. Ils ne veulent, alors, on a déposé nos statuts depuis 2 ans et ils ne veulent pas nous donner de compte bancaire. Ça, c'est un problème. Parce que moi, je vais me rendre en décembre à Rome, le 2-3 décembre. Donc, nous, ce qui se passe, c'est que maintenant, on a tout fait de nos propres fonds. Mais maintenant, il arrive à un moment où il faudrait que l'État nous aide un peu parce que ça commence à être lourd. Et qui commence à y avoir, il faudrait qu'on ait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour être adhérent à part entière, actuellement, c'est tout est gratuit. Mais dorénavant, il va falloir donner une cotisation par adhérent de 40 dinars annuels par an. 40 dinars flaham. Pour qu'ils puissent venir aux ateliers, pour qu'on puisse leur transmettre des informations, parce que ça coûte cher tous ces voyages. Donc on a aussi, on a une assemblée, maintenant on a une belle communauté en Tunisie, un beau comité. On a membre de l'association tunisienne, Ena, présidente, Ana Younablay, la secrétaire comptable administration, Safouen Benkahla, qui est chargée de communication nationale et internationale, Yasmine Blahsan, psychologue clinicienne, donc, et qui dirige l'atelier de parole, et docteur Dengizi, dermatologue. Donc on est vraiment une équipe au complet, et ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à partir ensemble dans une conférence internationale. Parce que là, en décembre, je serai la seule, la présidente. Mais ce qu'on aimerait bien plus tard, c'est vraiment d'être l'équipe entière. Voilà, pour qu'ils sachent qu'on est vraiment une belle équipe en Tunisie et qu'on avance. Nous, ce qu'on demanderait à l'État, c'est un peu de prendre en considération tout ça, parce qu'on fait un effort énorme pour faire tout ça, pour que Toliane ait une vraie jamaïa avec de vraies informations en Tunisie. Juste, vous nous donnez nos comptes bancaires, qu'on puisse récolter des fonds. C'est tout. Actuellement, tout est gratuit. Mais ça, on a besoin d'avoir cette cotisation de 40 dinars annuels. C'est tout ce qu'on a besoin. Tout le reste, on se débrouille très très bien. Voilà. يعطيك الصحة مدام على التوضيح هذايا وندعموا يعني مجهوداتكم يعطيكم الصحة اللي هي خاصة تشرفنا الجمعية ذي اللي هي أول جمعية في العالم العربي وقاعدين ما شاء الله تخدموا في خدمة كبيرة شنو الميساج اللي تحب توصلوا اللي معناها اللي عندهم البروبليم هذية العباد اللي تحب تعمل خير تعاون الجمعيات اللي قاعدة تحل في دي برش يعني برشة مشاكل كيفكم انتوما يعطيكم الصحة Alors, ce que je voudrais dire, c'est que adhérez à l'association, partagez notre page internet parce qu'on travaille très très dur pour vous mettre toutes ces informations et que
Voilà, tout ce que je veux, c'est que vraiment, Nazra Tetbadel à l'échelle nationale et internationale par rapport au vitiligo. C'est tout ce qu'on demande. Parce que ce soit vitiligo, que ce soit psoriasis, que ce soit les taches de naissance, quelles taches zarqa ou alhamra, tous ces problèmes de dermatose, tous ces problèmes de peau, sachez que vous voulez regarder comme ça, mais la personne qui est atteinte, elle souffre. Donc il faut vraiment qu'on véhicule une autre image, on badlou les mentalités. C'est tout ce que on souhaite. Voilà.